Bani, nouvelle vidéo, nouvelle console à vous présenter. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je ne l'avais pas fait, il y a un peu plus d'un mois il me semble. Cette fois-ci, ça vaut le coup de l'attente et il s'agit d'une console ultra supra méga collector. Elle envoie du pâté naf avec une bonne bouteille de rouge. Il s'agit de l'édition spéciale, donc c'est une DSi XL Pokémon World Championships 2010. Les grands chanceux qui avaient pu participer à la finale, donc c'était tous des participants du monde entier, de tous les pays en fait, avaient eu la chance de posséder ceci, une console DSi XL que je vais vous montrer. D'abord un petit aperçu quand même sur le carton, il n'y a rien de spécial en fait, il n'y a que l'image dessus ici que je vous montre, qui représente Hawaï en gros, avec les Pokémon ici qui sont au soleil. Pikachu qui est envahiné d'ailleurs, hein, coquillage et crustacé, Pokémon évahiné, youhou! Allez, je vous montre à présent la console. Non, ça va dans l'autre sens par contre. Voilà. Alors, qu'avons-nous là? Eh ben, des grosses notices pour pas changer. Est-ce les mêmes qu'on peut trouver dans le commerce? Petit aperçu rapide. Manuel de précaution, bon, je déballe pas, je m'en fiche un peu de ça. On s'en fiche, franchement, qui a le temps de lire ça? Est-ce que vous l'avez vraiment fait, vous aussi? Personnellement, moi, non. Une autre pub, autre chose pour jouer en ligne. Les guides de démarrage rapide, en même temps, ça sert vraiment à rien, ces trucs-là, dans toutes les langues. Voilà, et gros machin aussi qui va avec, que je ne lirai pas, que je ne lirai jamais. Je mets de côté. Alors, autre chose, dans ce carton... La recharge inutilisable en France, à moins que si jamais vous avez des adaptateurs. Voilà, le stylet de secours, qui a la taille d'un stylo en fait, comparé avec ma main. Bien joli, bien jaune et noir, avec l'embout qui est quand même assez épais. Voilà à quoi il ressemble dans sa protection. C'est vrai que c'est bien sympa, ça quand même, ça protège pas mal. Le carton quand même a l'air d'être assez solide, hein. Il est renforcé ici avec autre chose. Notre carton, oh, et tout se casse la gueule derrière, c'est pas grave. Et le meilleur pour la fin, bien sûr, dans sa protection encore une fois. Voici la bête, un beau jaune, un artwork qui prend toute la place. Le logo ici, Pokémon World Championships 2010, d'Hawaï, avec les Pokémon bien sûr qui y sont représentés. Et le nom, c'est pas incrusté dans la console. Si, justement, pardon, il est incrusté dans la console le dessin, vraiment bien fait. Avec du gris, donc il y a Furisson, Macronium, deux jolies fleurs, Pika os au milieu, bien centré, Crocodile et Liputi. Le tour, L et R, les boutons qui sont en noir, l'arrière de la console, rien de spécial, mais franchement, ouais, elle est vraiment belle comme console, assez grande également, en même temps c'est une XL, hein, c'est sûr. Le stylet qui se trouve ici, voilà. Mettre la SD card, c'est par ici. Donc là, c'est pour prendre des photos. L'intérieur, à présent, tout jaune. Jolie couleur. Hein. Franchement, c'est vraiment un jaune bien pétant, mais j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Avec les petites touches ici qui sont en gris noir. Voilà. Bien mignon. Bien sympa quand même comme console. Et bien contente de l'avoir. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous dire également... Elle est vraiment très très limitée cette console. Donc sur certains forums j'ai pu voir 106 exemplaires d'édités et sur un autre 112. Donc bon, aux environs on va dire, allez, une petite centaine dans le monde qui ont été édités, voilà. Donc c'est vrai que c'est ultra supra collector comme je le disais au début. Et ça fait plaisir d'avoir ça dans la collection quand même. Et je sais pas si vous avez pu voir les sœurs également, il y a une version de 2009 qui est magnifique. Le dessin est vraiment superbe, je vous montre un petit aperçu ici. Celles-là, c'est vrai que pour les posséder, il faut mettre de l'argent, c'est sûr. Elles sont vraiment ultra limitées, donc ça coûte cher. Et voilà, sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine !